Bonjour, bienvenue dans l'univers des sons de Swayam. Aujourd'hui, je vous propose un voyage, mais un voyage un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un voyage intérieur à la rencontre de la lumière, votre lumière. Certains l'appellent le chi, d'autres le prana ou encore l'énergie vitale. Peu importe, ce qui compte, c'est l'expérience de cette rencontre avec cette lumière invisible à l'œil nu, mais ô combien réelle pour notre vision intérieure. Lorsqu'on l'aperçoit à l'intérieur de soi-même, on ressent monter une intensité vibratoire qui fait grandir dans un premier temps la joie et dans un second temps l'amour. Toutes nos cellules alors se reconnaissent dans cette vibration d'unité et nous dévoile ce sentiment d'appartenance à une famille d'êtres éveillés, conscients de ne pas être qu'un corps humain, mais d'être une âme de lumière immaculée, vivant dans un corps de matière. Pour ce faire, nous allons utiliser notre conscience du souffle à l'intérieur du moment présent, et laisser la musique vibrer en nous, pour que nos sensations, amenées par nos émotions, puissent s'exprimer pour nous transcender. Notre état originel est celui de jouissance. Nous l'avons simplement enfoui derrière notre dualité. Ayez confiance en votre potentiel, il est sans limite. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous aimez cette vidéo et que vous pensez qu'elle puisse être utile, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, car plus nous serons connectés à notre être profond, plus il fera bon vivre sur la Terre. Je vous souhaite un bon voyage. Namasté. Asseyez-vous ou couchez-vous, mais votre dos doit être bien droit. Vous êtes décontracté et vos yeux sont fermés. Respirez profondément et lentement par vos narines en vous concentrant sur l'air qui entre et qui sort de votre corps. Prenez conscience du trajet du souffle, inspirez, puis expirez. Concentrez toute votre attention sur vos poumons et sur le processus de respiration en suivant l'air qui vous pénètre de plus en plus profondément. Ressentez-le qui entre dans votre cœur. Allez-y, tout doucement, à votre rythme. À chaque inspiration, vous ressentez comme un léger courant d'air qui caresse votre cœur. Maintenant, vous allez progressivement descendre au niveau de votre plexus solaire. Allez-y, inspirez l'air et sentez-le qui vient pénétrer votre abdomen. À chaque inspiration, vous prenez conscience que l'air ainsi envoyé recharge toute la zone du haut de votre ventre. Et à chaque expiration,
vous ressentez que cette même région se relâche. Allez-y, inspirez. Votre abdomen. Inspirez. Expirez. À présent, vous allez continuer à descendre toujours plus bas dans votre nombril. Prenez des inspirations de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Vous devez sentir un léger courant d'air qui vient pénétrer dans la région de votre nombril. Plus vous inspirez, plus vous avez l'impression que votre ventre se recharge en énergie. Vous avez une sensation de puissance qui vous envahit au niveau de votre ventre. Ressentez. Commencez maintenant à vous sentir léger, tout en étant présent dans votre corps. Plus vous inspirez, et plus l'énergie associée à l'air vient nourrir votre ventre. Restez dans ce va-et-vient. Et mettez votre attention entre vos sourcils. Vous sentez que vous prenez de plus en plus d'espace. Maintenant, vous avez l'impression d'être plus grand que votre corps. Et vous commencez à vibrer dans une nouvelle sensation. Une sensation qui se dégage de la matière. Et plus vous vous dégagez de cette matière, plus vous avez la sensation de devenir lumineux. Maintenant, en inspirant, pensez que vous attirez la lumière, cette lumière céleste. Allez-y, mettez toute votre attention et mettez toute votre intention, car par la loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous êtes. Imaginez que vous inspirez de l'énergie colorée de votre couleur favorite. En expirant, pensez que vous la projetez en vous-même, dans tous vos organes, dans toutes vos cellules. Allez-y, faites fonctionner votre imagination créative. Affinez votre perception intérieure. Ressentez comme votre souffle attire cette lumière invisible à notre vue.
mais que votre corps, lui, peut ressentir. Allez-y. Et d'expiration. Bien que la lumière céleste soit diffusée partout dans l'espace et qu'elle pénètre toute chose, l'homme ne la voit pas parce qu'il n'est pas encore assez développé spirituellement pour percevoir une réalité aussi subtile. Mais en se concentrant souvent sur cette lumière, vous affinerez tellement vos perceptions que non seulement vous commencerez à la sentir, mais à l'attirer. Alors, elle fera un travail sur vous en remplaçant les vieilles particules de votre corps par de nouvelles, plus pures, plus lumineuses. Maintenant, pour terminer, vous allez exprimer votre gratitude en imaginant que vous la projetez dans le monde entier. Ressentez comme cette lumière nourrit toute la Terre en apportant de nouvelles particules de lumière dans son aura. Allez-y. Envoyez toute cette lumière dans l'aura de la Terre. Inspirez la lumière céleste. Expirez-la dans l'aura de la Terre. Expirez-la maintenant sur la terre qui en a tant besoin. Voyez comme elle transforme l'ombre en lumière.